Yo, on est les thugs, on n'a pas le retour, mais on s'en fout parce qu'on est tout simplement sur Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist sur PS4. Mais vous inquiétez pas, j'ai vu dans le chat que des gens s'inquiètent de savoir à quelle heure va être l'Eclipse Challenge. L'Eclipse Challenge, c'est dans exactement 55 minutes et 30 secondes précisément. C'est avec The Quev. Sauf si j'ai décidé qu'à la fin, le duel durerait oui, temps possible. C'est vrai. Oh! C'est vrai, c'est vrai. Nous avons deux Néos errant des éléments. C'est très, très nice. Oh non, mais ce deck, il pue la merde, le deck de Jaden, là. C'est vrai, tu... Je suis au fond du gouffre, mais heureusement, je vais jouer Charité Gracieuse. Ah ouais, tu enchaînes directement. Donc, pour ceux qui se demandent un petit peu ce que l'on fait, eh bien on est sur Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist sur PS4. On arrive au milieu du mode histoire 2GX parce qu'il y a les 5 saisons disponibles sur ce Yu-Gi-Oh! Et voilà, on joue avec Xari, fin connaisseur de l'univers de GX. Moi-même, j'ai beaucoup joué au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc le TCG en vrai, j'ai poncé aussi beaucoup les jeux consoles. Et puis voilà, Xari qui est passionné quand même par Jaden et ses héros des éléments. Surtout par Neos, héros des éléments. Par contre, je comprends pas pourquoi je peux pas l'invoquer là. C'est quoi ? Ça a aucun sens. Moi, je peux mais il a un sacrifice ? Mais il y en a deux là sur le terrain. Et... Tu peux pas sacrifier des jetons. Ah bon ? Non. Inswain ? Certain. Tu peux pas sacrifier des jetons. En fait, à moins que la carte a un effet spécial en genre en mode sacrifier. Non, je savais pas. Je savais tout simplement pas, mon pote. Hein. Je pense que tu peux sacrifier des jetons, mais pas pour faire des invocations. Donc tu peux sacrifier pour un effet, genre en mode sacrifier un monstre pour pouvoir, genre la reine des insectes, tu vois. Je sais pas si tu vois c'est quelle carte. Non, c'est pas grave. Non, c'est dans la première saison, la reine des insectes, c'est joué par Insectoraga, je crois. Et en gros, pour qu'elle attaque, il faut qu'il sacrifie un monstre insecte. Et à chaque tour, elle invoque un token insecte, en fait. Okay. Et il peut sacrifier le token. Alors là, le problème, c'est que... Salut Zoka. Une fois par tour, vous pouvez équiper cette carte à un monstre de type guerrier que vous contrôlez ou la déséquiper pour invoquer spécialement. Ok. Tant que cette carte est équipée à un monstre à effet, ce monstre inflige des dommages. Ok. En fait, le seul problème, c'est que si tu invoques... si tu équipes ce monstre, ça fait pas de... Attends, je regarde un peu. Et un grand merci à Valouz qui a pris le temps de setup tout ça, étant donné qu'Amori n'est pas là. Merci à toi, Valouz, c'est cool. Je sais pas quoi faire, mec. Si tu peux sacrifier, mais faut attendre un tour. Ah bon ? Bah non, t'as déjà attendu un tour là, non ? Non, j'ai fait tout dans le premier tour là. Ça, c'est ok, mon premier on tour. Verra. On verra. Peut-être, mais. Bah, comment tu as laissé invoquer les jetons ? Je les ai balancés. En fait, j'ai balancé mon lion machin dans le cimetière. En la défaussant ? Ah, en la défaussant, ouais. D'accord. Donc, non, normalement, on n'aura pas la réponse. Faut aller chercher les rulings sur internet, mais je crois qu'on peut pas s'affilier de jetons. Attends, mais c'est quoi cette merde? Il a fait quoi là? Pourquoi il a détruit les deux? Ah bah parce qu'il y a deux créatures. Non, on peut pas, les gars, on peut pas s'affilier des jetons. C'est quoi balanceur ça? Kaneos. Depuis votre cimetière. Et après il s'en va, mais... Il est dans le cimetière, Tornéos? Oui. Ah. Je l'ai envoyé en fait, j'ai fait exprès. D'accord, très bien. Mais est-ce que du coup. Ce serait pas un fin stratège. Mais est-ce que tu veux pas la garder pour faire la fusion en fait, cette carte? En gros, je pense que c'est le but, non? De l'invoquer là avec ta carte avec l'arbre, pour faire directement l'invocation pour garder ta carte sur le terrain en fait. Ouais, mais. Nous, on t'envoie un robot de cartes. Ils ont combien ces cartes en face là? Un soldat non, de cartes, ça, c'est de la merde. Les cartes. Oui. Là, tu peux poser ton soldat de cartes, tu défausses 3 cartes. Elle a 1006 ou 1009, je sais plus. Et tu vas... Mais défausser les cartes, c'est pas... De toute façon, est-ce que t'as vraiment... Voilà, c'est bon, t'es bien. Je sais pas ce que fait le haut, mais... Le problème, c'est que je sens qu'il va avoir une carte infâme, magie... Ouais. Et ouais, mais c'est à vie, ça. Non, mais ça va, ça, je crois. Ah, t'attaques directement à la place. Ouais, t'es un peu déçu, quand même. T'es un peu déçu. Clairement, je suis un peu beaucoup déçu. Ouais. Mais je crois qu'on l'a quand même baisé. Hein. Parce qu'en fait, normalement, ça,
sa carte, regarde sa carte piège. Je crois que ça t'inflige les dommages de l'attaque d'origine de ton monstre. En gros, elle t'a infligé 400, parce que c'est l'attaque d'origine de ton monstre. Non, elle m'a infligé 1400. 1400 ? Elle m'a infligé ça, en fait. Ah, d'accord, ok, j'ai mal compris alors. C'est terrible. Bon, c'est pas grave. Alors, attends. 500 d'attaque, et lui, il a combien ? C'est écrit sur les cartes des jetons. Que tu peux les sacrifier ? Non. Je suis pas sûr, parce que sinon, tu fais bouc émissaire et tu invoques obélisque tourmenteur, quoi. Tu fais ça tout le temps et c'est bon, quoi. Mais... C'est quoi le nom du jeu ? C'est Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist, disponible exclusivement sur PS4 et Xbox One, si je dis pas de bêtises, c'est pas disponible sur PC. Ah, fais chier. Et là, vous êtes déçus chez vous. On va se faire pisser dessus, putain. Non, parce que tu vas piocher une carte avec ton robot. Oh non, mais vas-y. Et voilà, et là, c'est bon. Ah merde, il va falloir... 4 étoiles... Nécrombe et 5 étoiles. Ouais. Nécrombe, 5 étoiles. Ah merde, ça, c'est chiant. Parce qu'en gros, il faut que t'arrives à l'invoquer pour... Une fois que t'as fait la fusion, t'es bien, quoi. Mais le problème, c'est qu'oublie pas que c'est des fusions contact. C'est-à-dire ? Ça pue la merde. C'est fusions qui s'enlèvent à la fin du tour, en fait. En fait, le but de ce deck, je crois, c'est one shot, en fait, mais c'est dur. Pas forcément. Parce que je pense que si tu l'invoques avec ta carte avec l'arbre, là, tu sais, ensuite que tu fais la fusion contact et qu'elle revient sur le board après, ça enlève l'effet de l'arbre, tu vois. Non, mais en fait, la fusion contact, c'est tu fusionnes. Et après, le monstre fusion se casse, mais les deux autres monstres reviennent pas. Hein. Ah oui, la fusion contact, c'est de la merde. Si t'as pas la carte terrain, mec, c'est nul à chier. Ça reste un tour, en fait. C'est pour one shot, la fusion contact. Parce que les monstres de fusion contact sont ouf, normalement. Mais ça pue la merde. C'est bien ce que je dis. Et toi, t'es enjaillé par ce deck. Non, pas par celui-là. Celui-là, il pue la merde. C'est dégueu. Je suis bien d'accord. Hein. Et c'est nul à chier. Je suis bien d'accord. Je sais pas trop quoi faire, là. Surtout qu'elle a trop de cartes pièges, trop chiant. C'est genre infâme, quoi. Ah, d'accord. Donc, apparemment, les jetons de Dandelion, donc la carte fleur là que tu as défaussée, ne peuvent pas être sacrifiés le tour où ils sont invoqués. Mais c'est spécifique à cette carte, on est d'accord. Comment t'as fait pour la buffer, là ? T'as mis le H, hein ? Le H, ouais. C'est permanent ? Non, mais le truc, c'est que vu qu'elle a plus d'attaque que les deux autres, normalement, ça devrait passer. Mais je pense qu'elle va invoquer un truc de ouf. Ok, bon, ben, on va voir. Là, je pense qu'elle va sacrifier avant qu'un truc un. Ok, infâme. Non, mais si c'est écrit sur la carte, ça doit passer au-dessus de la ruine des. Putain, je le savais! Oh. Il y a 3000 d'attaque, le machin. Il nous faut une bête de cartes de piège. Pour deux sacrifices, pote, c'est quoi ça? Un arbre blanc. Ah. Bah, défense, hein, et c'est temporisé. Et elle fait quoi cette carte là, le marteau là? Attends. Y a pas un truc à faire avec ça? Non, le problème c'est qu'ils ont... Même Neos n'a pas assez d'attaque là. On est zébé. Non mais le marteau, je suis sûr, il a un effet de ouf, non ? Non, le marteau ça pue la merde. En gros, il fait quoi ? Ça fait. Tant que cette carte est équipée à votre à monstre par cet effet, lorsque ce monstre inflige des dommages de combat à votre adversaire, détruisez une carte sur le terrain. Mais sauf que le problème c'est que. Bah. Il donne pas d'attaque en fait. Il donne juste cet effet, mais. Sauf si quand tu unis le truc, ça donne 800 d'attaque, mais c'est pas marqué donc. Est-ce que quand tu le mets sur un autre monstre, est-ce que ça lui donne l'attaque qu'il a ? Et le problème c'est qu'on sait pas. Il faut tester. On est zébé là. On est baisé. Il faut pas qu'elle invoque si on a perdu. Oh là là. Y a pas de perse défense, ça va. On s'en fout de toute façon. Ouais, mais peut-être que sa carte, son effet, c'est sacrifier un monstre pour... Ah mec... T'es obligé de faire ça, hein. Et d'invoquer Neos, héros des éléments, en position d'attaque. Et le H fait quoi? Mais justement, on est obligé d'utiliser le H pour le buffer, quoi. Et lui donner 500 d'attaque. Et donc, tuer les deux. Elle a pas gagné de l'attaque. Et là, tu regardes, elle a gagné de l'attaque, t'es sa carte. Et là, est-ce qu'on peut invoquer... On peut pas activer... Vas-y, on active pour voir ce que ça fait. Est-ce que ça va être comme ça ? Est-ce qu'elle donne 800 d'attaque ou pas ? Non, ça pue vraiment la merde, hein, cette carte. Ah, par contre, on peut détruire une carte sur le terrain, c'est pas mal. Du coup, on attaque ça.
Pas mal. Il ne meurt pas. Ah non all... Ah très bien joué, Xari. Tu vas mettre... J'ai réactivé par-dessus la balançoire. Non. Mais là, là... Non, non. En gros, le monstre Union s'est dit, si le monstre équipé de cette carte doit être détruit, vous pouvez détruire le monstre Union à la place. Oui, mais est-ce que en équipant le monstre Union, j'ai pas enlevé la balançoire et ce qui a permis non. de rester non. Non, non, donc là, il va partir. Ça... Là, mon Eos est. Ouais. Est donc en mode. Gros, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, il serait mort. Pas grave. Ouais, mais non, parce que si j'avais pas mis le H. Ah oui, non, oui, d'accord. Oui, non, mais dans tous les cas, oui, d'accord. Le truc que tu veux dire s'en va, quoi. Je peux rien faire. Non. Non ! Neos ! Et mon héros des éléments. Ça va, ça pue la merde, par contre, on peut aller le tuer. Il y a 13 000 HP quand même. Ouais, je sais, mais bon. Ouais. C'est un petit polo. Oh. Ah là là, ça pue. Et en plus, le problème, c'est que là, c'est un invoque que j'ai perdu en fait. Exactement. À moins que. J'attaque pas le monstre là. Je laisse attaquer. Oui, attaque ça. Ouais. Et moi, j'attaque ça plutôt. Oh, ta race. Ouais, t'es mort parce que ça détruit ta carte. Pourquoi ? Son effet. Oh vas-y, c'est cool. Putain mais le problème c'est que le deck là... Très bien Xari au moment de prendre live l'a dit. Aujourd'hui, on le défonce. Non mais le problème c'est que son deck là à Jaden, il est vraiment nul. Il est bien quoi. Caca ouais. Enfin je vois pas comment tu peux gagner si t'as pas juste de la chatte en fait. Allez, laisse-moi gagner. En fait il aurait fallu qu'on fasse en off un deck utilisateur qui soit fort pour quand on bloque tu vois, on fait un deck et on baisse le game quoi. Alors regarde, tu vas me passer la manette, je vais gagner du coup. Mais enfin là en vrai je pouvais pas mieux jouer tu vois, enfin j'ai pas de chance. Bah vas-y dis-moi. Si. Bah si j'aurais pu, je savais pas si la carte allait être détruite ou pas. Non mais... en vrai, ce que t'aurais pu faire, tu vois le move que t'as fait avec y a Colibri. Avec le Neos là. Bah oui mais... T'aurais pu le faire avec la carte juste après quoi. Hein des combos. Non. Spart oui, je sais oui. pas quoi là. Oui non mais je sais, mais je pensais pas que ça. Bah, oui que ça non mais ça. Je comprends bien. Bah du coup là je joue charité gracieuse au pire. Alors. Ah non, fait que ouais. Lorsque cette carte est invoquée, changez-la en position de défense. Lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez est ciblé par une attaque, ouais, vous pareil. Pouvez changer la cible de cette carte. En gros tu dois l'invoquer en. Ça c'est pas ouf ça. Alors Colibri, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez gagner 500 points pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Après tu peux la poser maintenant et gagner 3 cartes mais c'est pas ouf quoi. Ouais, et gagner 5500 mais. Le mieux c'est de jouer le petit robot là. En position d'attaque. Moi j'hésite à jouer ça, aller check sa carte, parce que si tu sais si c'est la carte à 1009. Ouais là. bah vas-y. Alors au pire. Vas-y. Bon on gagne 1005 déjà. Bon j'espère que c'est ça. Hein. Sinon je suis complètement fucked up de ouf. Donc au moins on a tanké l'effet de. Du bonhomme machin là. Ouais, on a. Le bonhomme neige, c'est fort quand même. C'est très très fort. 1900 d'attaque et tout. Hein. Okay. Très très fort. Mais bon, c'est gagné. Le seul problème en fait. Oh, j'aime pas ça. Ça, il sacrifie des jetons ouais, pour invoquer un truc. Peut-être dans l'effet de la carte aussi. Putain, mais il a déjà le dragon de neige, mon pote. Alors. En fait, le problème, c'est qu'on a plein de cartes qui ne servent à rien. Genre Ojama et tout, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Alors, cette carte peut uniquement être activée au début de votre main phase 1 jusqu'à votre prochain tour. Et vous et votre adversaire ne pouvez pas jouer ni poser de carte magie ou piège. Oui, donc en gros, l'effet de la carte, c'est pas du tout ça. Et hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est juste un monstre. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en retirant 4 compteurs glace sur le terrain. Les autres monstres avec compteur de glace. Je suis étonné qu'elle puisse sacrifier les jetons quand même. Mais moi j'ai toujours cru que tu peux l'indiquer. Là du coup ouais t'es bébé de ouf. Tu peux pas la jouer. Et bah joue au Jama en position de défense et... Heureusement le bonhomme de neige a 0 d'attaque. Donc, oui. Franchement je suis carrément étonné là pour les jetons. Oh merde. Ah oh, ça va. Ça va, oui, non mais il joue safe les ordres. Oui, check tout ça comme ça mais. Mec on va perdre là, enfin. C'est vraiment de la merde quoi ce deck. Il pue la mort mec. Attends, à combien 2008. Alors. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main
en bannissant une carte magique depuis votre cimetière. Cette carte ne peut pas attaquer directement. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Elle est pas mal, celle-là. Vous ne pourrez recevoir votre carte dommage d'attaque. Donc, c'est-à-dire que même s'il se fait attaquer, pour 0. Ça, elle est bien, cette carte. Même si elle ça va. Non, mais ça va. Genre, bah vas-y, du coup, fais charité gracieuse et puis après, tu pourras l'invoquer spécialement l'autre. Alors, qu'est-ce que fait le haut? Il permet d'invoquer Neos quand il est dans le cimetière, sauf que t'as pas Neos, donc... Ou Sparkman, quand on est dans le cimetière. Moi, je charte ça. T'as charté le petit? Ouais. Pourquoi? Pas utile. Oh là là, c'est terrible là ce que tu as. Enfin, on aurait pu, en mettant des brise-armures, limite. Genre là, le marteau, là. On aurait pu, peut-être. C'était peut-être un peu prématuré. Mais je vais jouer ça. Parce que ça mais ça permet de mettre des cartes au cimetière. Parce qu'en gros, là, j'ai le H et le O. Je peux faire un truc, tu vois. Ouais, mais il faut pas que tu la fais gaffe. Hein, parce que là, c'est sous charité gracieuse. Donc, t'actives pas, quoi. Comment? Là, il faut pas que t'appuies. Hein. Sinon, tu vas l'envoyer au cimetière. Oui, je sais, je sais. Alors, lorsque cette carte est invoquée, changez un peu. Vire. Vire. Sparkman. Ouais, vire Sparkman. Bien. Vas-y, vire Sparkman. Vas-y, et joue ça et. En position d'attaque, ouais. Je me demande si... En fait, brise armure sert au haut et à ça, en fait, non? À la fin du tour, tu détruis la carte, mais du coup, tu peux détruire le brise armure à la place. Je crois que c'est ça, la combo, voir, en fait. La brise armure. Ouais, si le monstre équipé doit être détruit au combat, doit être détruit au combat, donc non. Ah, ça pue. Après, le haut, c'est permanent. Ouais. Le haut, c'est bien mieux que la balançoire. La balançoire, ça pue. Oui, je suis d'accord. La balançoire, en fait, c'est t'invoques, t'attaques, et après, tu le sacrifies pour faire une invocation, par exemple. Là, on a perdu. Hein. On a perdu, en fait. Merde! Oh non. Ah bah, c'est bon. On a une Eos. Mais on a perdu. Non. Ah ouais, elle va me jouer sa carte, tu sais. Ouais. Alors là, mec. Même si avec Neos, on a perdu. Ça, c'était permanent ou pas? Non, non, c'est pas permanent, ça. Oh putain. En gros, on peut même pas tenir ça, quoi. Avec enfin, si, je peux le détruire. Mais en gros, si elle a sa carte piège, là, je suis mort. Bon, on va le tenter quand même. C'est perdu, je pense. Oui, mais on va le tenter quand même. T'as la chatte quoi, j'ai mis une carte sans faire exprès, je suis tombé sur la Alors bonne. Que si t'avais mis les 3, on aurait pris 0 dégâts en plus. Ah ouais? Bah oui, parce qu'ils gagnent de la défense, 500 de la défense par carte. Ah, il aurait gagné 1900 de défense, on aurait pris 0 dégâts. Ok, j'ai pas fait gaffe. Et le pire, c'est qu'elle serait pas morte notre créature, donc là, t'as ruiné. Non, mais met aussi le... T'as fait. Le monstrulion? Ouais. Ça sert à rien, parce que regarde, on avait quand même perdu. On l'avait quand même perdu, c'était notre seule chance et c'est ça. Oh là là. Mais je comprends pas, c'est que pourquoi dans le deck il y a des Ojama, des trucs qui servent à rien, genre Sparkman, s'il te plaît quoi. Allez, on reteste. Sinon on se fait un deck hein. Bon, on peut faire ça pour changer une fois. Hein. Bah là mec, on peut rien faire avec ce deck. On teste encore une fois et on essaiera de faire un deck. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de cartes. Et je joue second, donc je pioche. Le deck cul quoi. Déjà c'est mieux. C'est mieux même si. Ah dommage, je joue pas en premier parce que. Tu joues Ah putain, casse les couilles. C'est bon, c'est le même combo que tout à l'heure. On peut rejouer Colibri, gagner 2000 points de vie. Ouais. Ça dépend de Colibri. Putain, on a que les trucs. Ça va, c'est pas mal. Du cimetière et tout. Il faut juste réussir à envoyer Neos au cimetière quoi. En gros le seul problème c'est qu'elle pioche évidemment tout le temps son dragon au début quoi. Ça c'est. Sinon j'attaque pas et tous les tours, ouais mais non, elle va poser un truc. Ouais, ça c'est de la merde, hein. C'est le colibri. Hein? Quoi? Pourquoi t'as pris le moins 1100? Il a 1009 et j'ai 800. Ah oui, je pensais que t'avais plus que 800. Après le truc, ce qui est bien, c'est que tu peux, ouais, non. En fait, en vrai, j'aurais pu faire sur Sparkman et directement le ravoquer. Ouais, mais quel intérêt. Ouais,
Bon là c'est bon, tu peux invoquer le petit robot. Ensuite tu invoques le petit robot, tu mets 3 cartes au cimetière. Vraie chiant ça putain. Tu mets 3 cartes au cimetière et si on a des hausses on est bien là. Allez, 3 cartes au cimetière. Oui. Non. Fais non. Quoi? Fais non, ouais. Fais non. Et là, invoque, enfin ouais. 3 cartes au cimetière. Allez, allez. Neos. Ah mais on a Dandelion, c'est pas mal. Soldat de carte est actif, faire une chaîne, non. On a Dandelion, c'est pas mal, on a au moins deux jetons. C'est ça. Oui, c'est déjà ça. Et alors là, on vas-y, non, fais non. T'as combien d'attaques du coup? 1900. 1900, je passe au-dessus de ça. Et tu peux pas détruire le poli... Ah, dommage, tu peux pas. De quoi ça? Ouais. C'est pas grave. Bah du coup, vas-y, pète sa merde là. Non. Là, ça me fait toujours tilter. En plus, là, elle a pas mis de carte piège. Mais je reste appuyé sur 11, ça marche pas quoi. Allez, on est bien là. On était safe. Là, on est bien. Ok, on a un bon. On a un bon early. On a un bon début. Ouais, par contre, je vais remettre dans la cam, parce que je sortais. Oui. Et j'étais là en mode. On est bien. C'est genre. Après, là, le truc, c'est qu'au prochain tour, en plus, on pourra. Sauf s'il a une carte forte. Ah, il va invoquer le dragon, 100%. Mais qu'elle l'a toujours, c'est dingue. Hein. On va piocher une carte. Avec le. Mec, il met tellement cher. Putain! C'est une blague! Après, est-ce qu'on peut l'invoquer? Si on peut l'invoquer, on est bien. Hein. Non, ah oui, on peut l'invoquer là par contre. Ah oui. À 100%, on peut l'invoquer, mec. Oui, parce qu'au pire, on a appel de L30 et. Mais après, le problème, c'est qu'il a pas assez d'attaque. Ah si! Oh, cette carte-là, évidemment, on l'a jamais eue, quoi. C'est vrai. Bon, bah voilà, on a gagné, quoi. Ça, c'est chiant. Là, tu peux l'invoquer 100%. Et donc, on peut bel et bien sacrifier les moi, jetons. Moi, j'ai toujours eu des jetons à sacrifier, c'est pour ça que. Ok. Bah, je suis étonné. Et là, tu mets le H, hein, oublie pas. Parce que sinon, tu peux pas tuer son dragon. Oui. Néo, zéro des éléments. Ah. Non. T'invoques. Vas-y. Et le pire, c'est que tu pourras le ramener après avec le O, donc c'est pas mal. Vas-y, on s'en fout. Je veux pas, en fait, je veux surtout pas faire d'erreur, donc je prends mon temps. C'est bon, on a enfin gagné, quoi. Oui, là, ça a l'air bien parti, quand même. Au fait, le seul truc, c'est qu'il nous faut la sortie parfaite, et qu'elle, oui, elle est pas assez sortie c'est parfaite. C'est ça, hein. Souvent, les decks de l'animé, c'est très, très situationnel, quand même. En tout cas, certains decks. Voilà, maintenant, je vois pas trop comment elle peut gagner. Elle a plus de son dragon. Elle fera plus jamais rien, quand même. Ça met des compteurs glace, mais ça sert à rien, mon pote. Elle est con. 2200, ouais, 2000... Sur la 4, elle peut invoquer son dragon. 2400, 2500. Elle buff son, elle 2800 d'attaque. Elle est pas une baisse. Ah oui. Pas très grave. Ah, j'avoue, c'est un peu non, chiant. Non, c'est pas très grave. On a force de miroir et on a le haut. Donc là, c'est simple, il suffit de... Le troisième appel à l'étranté, quoi. Le truc, c'est qu'il suffit de... On fait haut. On récupère Neos. Et après, on met force de miroir, et quand elle va attaquer Neos, on force de miroir et t'as plus, quoi. Terminé. C'est donc la strat. Bah ouais, mec. Mais tu peux même mettre Sparkman, hein, du coup. Vas-y, au pire, fais oui, hein, puis remet d'autres monstres. Hein. Non, mais une chaîne, c'est une carte magie ou piège. Oui, mais avec l'appel de l'étranté. Ah. T'aurais pu remettre un monstre qui était dans le... C'est vrai. Genre dans des lions ou des trucs comme ça. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, go. Invoque. Et là, alors là, ça pue pas le piège, tu sais, genre... Tu sais que t'as pas le dessus, tu sais, tu poses que des cartes en position d'attaque et tu poses une nouvelle carte magie au piège. Et là, tu te dis, ça pue pas du tout. Vas-y, attaque son monstre en position de défense, là. Ah oui, c'est vrai. Allez, go. Alors là, ça pue pas du tout, hein, tu sais. Après, oh, là, Neos, il a une invocation. J'en étais sûr. Parce que Neos, ce mec... Après, dans certains cas, ça peut être un ultra bait de faire ça, quoi. Oh, zéro des éléments. Vas-y, on s'en fout, fin de phase. Allez, ce monstre va mourir et Tarpy, on a bien gagné. Adieu. Oh putain. Bien joué, ça. Ah, très bien, en position d'attaque. Allez, bolos. Et là, j'oublie d'activer... Oui. Force de miroir et là, on perd. Enfin, même si j'oublie, je peux activer sur le deuxième et gagner, du coup. Oh, tu sais qu'elle a 2800 aussi sur notre carte, quoi.
Pas pourquoi. De quoi? Pas pourquoi d'ailleurs. Si, parce qu'il y a en gros c'est par compteur glace sur le terrain. Ah, je crois que c'était sur la carte, ok. Allez, au revoir, tu peux abandonner, Bolos. Mais active l'effet de cette carte oui, en fait. Oui, parce comme que... ça, oui. Mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi tu l'as pas activé dès le début en fait. Pour mettre directement le truc qui donne masse attaque. Là, on a aucun monstre à refaire revenir. De toute façon, Neos, on peut le faire revenir déjà 4 fois. Donc... C'est vrai. Du coup, j'aurais dû anticiper et poser mes deux appels de F1T. Ah, bah, joue. Vous jouez ça? Ouais, joue Nécrom, c'est marrant. Quoi? Parce que c'est cool. C'est quoi? Rien, mais. La merde. Pas drôle. Vas-y, mets des... Mais arrête de faire ça, à chaque fois il va faire la chaîne et tout, c'est trop chiant. C'est vrai. Ah là là, le mec le plus relou du game. Vas-y, fais pour l'autre aussi. C'est quoi pour l'autre? Ah oui, merde. Oh là là, Zulu. Oh, hé hey. T'oublies la moitié des trucs. C'est vrai. Mais tu me presses. Mais je te presse, pour ça. Je te presse pas. C'est pour ça. Elle a plus de cartes, elle a plus rien, elle a perdu. Plus on aurait gagné. Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est un peu con. Mais bon, logiquement, elle peut rien. Merci. Et à force de Mira. Finis là avec Neos. Non, enfin, fais le truc sacrifice là, pour mettre dans le cimetière. Pour pouvoir utiliser ta carte. Laquelle? Celle-là, vas-y, utilise ça. Pour utiliser ça? Ouais. Mais non, je veux pas utiliser, c'est une... C'est une force de miroir, mec, je suis mort. Mais non, on a encore plein de mobs. C'est bon, on voulait gagner, on a gagné. Bon, c'était chiant là, ce duel. Ce duel est pué la merde. Ouais, tais-toi. Ah, c'est pas évident. Elle m'a gavé, elle. Donc, de toute façon, je lui parle même pas. Duel fratiste. Ah, mais moi, je joue jamais Jaden, vas-y. Au pire, on fait un deck. Non, vas-y, on va jouer son deck là. Ok. Le deck de. Ah non, mais on va jouer le deck de Cyrus. Ah non, c'est Zan Truesa. Il a pas des grosses cartes lui? Si. Qu'est-ce qu'il joue? Cyrus, ça pue. Je sais pas, il joue dragon noir aux yeux rouges et tout. Dragon noir aux yeux rouges? Zan? Ouais, je crois. C'est pas les dragons mécha là? Les cyberdragons? Ah, oui, si, ouais, si, cyberdragons. Ah non, apparemment non. Non, c'est un deck dragon, mais c'est pas. Cyber ténébreux. Alors là. Cette carte ne peut pas attaquer votre adversaire directement. Si elle attaque... elle peut équiper un monstre dans le cimetière et si elle attaque, elle peut attaquer directement, mais les dégâts sont divisés par deux. D'accord. Cette carte est détruite et envoyée au cimetière durant la end phase. Lorsque cette attaque est. Ok, alors attends. Lorsque cette en gros, tu la poses, t'attaques, elle va au cimetière la end phase. Ouais. Et j'ai pas vu le même truc. Ah, bah attends, il y a un combo de ouf. Attends, regarde la carte de gauche là. Si cette carte est détruite, a été détruite et envoyée au cimetière, invoqué spécialement depuis votre cimetière attaque. Son deck est fort. En gros, le deck, c'est le but. Et ça, c'est une vieille carte en plus. Hein. Le but, c'est de faire. Tu balances ça. Ouais. Tu le fais attaquer, ensuite elle va dans le cimetière, et puis au prochain tour, tu fais ça. Et puis après, t'as les 2000 d'attaque à ce monstre. Voilà. T'as okay. Montré à 2800 au tour 1. En plus, t'as deux charités grâce à ça, c'est pété de ouf. Ça. Ouais, bon, on va pas les utiliser maintenant, non? On peut les utiliser maintenant et mettre un monstre direct de ouf. Donc on tente. À toi de voir, c'est toi qui as la manette. Vas-y, allez, on tente. Toi qui as la manette, mon ami. Attends, et elle peut un. Niveau 3 au moins. Ah oui, mais ça c'est niveau 4, donc c'est nul. Niveau 3, donc ça c'est bon. Renvoyer de son deck, ok. Ok. Note que cette carte est invoquée. De toute façon, ça je vais lire après, mais pas besoin. Alors. Tu vas tuto une carte dragon de ton deck 1500 attaques. Ouais mais non c'est avec Max. C'est détruit au combat. Oui lorsqu'elle est détruite au combat oui. Mais Dragon masqué. On va virer celle-là. Ah ouais. Ouais. Et on va virer celle-là pour l'instant. Ah d'accord, ok, c'est. Ok, je te fais confiance. Et on fait ça. Et on fait ça. Et voilà, et là on a un petit monstre à 2300 d'attaque. Tour 1. Tour 1, qui est pas dégueu et en plus qui ne craint pas la destruction puisque c'est l'autre qui est détruit si jamais. Et il peut attaquer direct. Ok, ouais. Celui c'est le bon deck de mort. Ouais.
Son deck pue la merde. Waouh, ça c'est de la combo. Oh bah t'en as un deuxième. Bah joue l'autre, la carte de gauche là. Hein? Et ensuite, joue celle-là et ensuite t'invoqueras celui tout à droite, non? Prochain tour. Ouais mais celui-là c'est la 4 d'attaque, c'est 4 étoiles donc ça marche pas. Par contre on peut. Il y a 4 étoiles? Il faut 3 étoiles? Ouais, 3 étoiles. Ah c'est chiant ça. Ah par contre c'est bien. Mais il va jamais te le détruire au combat, il va toujours attaquer tes points de vie je pense. Mais bon, c'est pas grave. Ouais mais on verra, il y a peut-être pas que de la combo comme ça tu vois. Ah sinon. Moi bon, tu es déçu. Tu es déçu mon ami. Ouais. Les dragons, c'est bien. Ah, il a que des trucs. Ah, oui, mais bah, c'est que des trucs log ou je sais pas quoi. Hein. Ah, bah non, il est con, tu vois. Alors. Tu vas chercher celui que tu veux. Il y en a plein que je connais pas, par contre. Deux étoiles. T'as 6 dragons, des trucs combat. Détruisez-le. Le monstre qu'il a détruit. Aucun joueur ne reçoit des dommages. Ça, c'est pas mal, ça. Il y a lui encore. Elle grise, défaussez une carte de votre main durant la main phase 1 sur votre attaque deux fois. Ouais, c'est pas ouf. On va détruire lui, c'est bien. Ok. Carte est détruite au combat, l'envoyer au cimetière. Et après, on pourra la mettre les 1000 d'attaque en position de. D'attaque, de toute façon, parce qu'elle subit pas les coups de dommages de combat. Donc, on s'en carre. Ok, je te laisse strater hein, pour ce duel. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est bon, il a plus de cartes magie, donc il va perdre ses cartes de mort. On va le bolosser, ça m'énerve. Lorsque cette carte est détruite au combat, envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre de type dragon. Ok, ça c'est pareil. Hein. Dragon Rasta, putain, s'il te plaît. Ils sont craqués. C'est pire que les Pokémon là, tu sais. Putain, une fois des dragons, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on va invoquer. Dragon abominable, dragon ténébreux, dragon éclatant. Oui, bon, encore des idées. Bon, bah, dragon Rasta, c'est genre. Ouais, il y a une tarpute. Mais non. Péter ces mobs à la con là. Au revoir. Et c'est terminé pour toi, Bolos. Allez, t'as perdu, tu m'as gavé. Ah, plutôt vénère le Xari. Oui, il a pas attaqué. Ah, il a attaqué. Non, je crois pas. Ouais, il a. Il a build d'attaque. Pourquoi il a pas Cyrus, il a, 2000... il a 7003, c'est pas possible qu'il attaque. A attaqué. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh merde. Ah oui. Ah si, c'est bien. Sacrifie ce monstre et du coup, je réinvoque l'autre. Oh putain, bien joué Xavier. Très très fort. Et c'est pour ça qu'il fallait jouer l'autre, tu sais, qui revient là. Celui qui est équipé en monstre union là. Ah, lui là? Non. L'autre, celui qui est dans le truc carte magique là. Ah. En fait, quand elle est détruite, elle revient. Ouais, et bah, du coup, après, c'est pour ça que c'est intéressant en fait. Après, celui que j'ai envoyé normalement. Ah non, c'est... Oui, ok, c'était parce que. Oui, en fait, je voulais essayer de voir pour les combats, mais c'est pas grave. Ça commence à mélanger tous. Okay, c'est pas mal le pot d'avarice, mais comme ça, ça sert à rien. Du coup, on va invoquer celle-ci. On va activer l'effet. On va lui mettre le monstre. Et t'auras 1800 du coup. Ah non, oui, si tu prends celle-là, oui. Mon pote, tu sais que c'est pas fort, hein, ces monstres. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est trop cheaté, ça. C'est vrai que c'est pas mal. Oh, t'aurais peut-être dû activer avant, parce que t'aurais peut-être eu une combo. Oh putain. On voit le masque et le pot d'avarice au pire. Le pot d'avarice c'est pas mal, mais je sais pas si on aura envie de l'utiliser maintenant en fait. Oh, wow. Ah oui, on a pas regardé ces cartes fusion, mec. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, on va gagner 100. On bat les couilles. On va gagner 100. Oh, regarde un peu ces cartes fusion, juste par curiosité. C'est un gros bleu. Attends. Ah ouais! Ok! Ok! Tu crois qu'elle a une animation? Je sais pas, mais bon, elle est forte quoi. Ouais, enfin, forte, non, elle est puissante. Ok, tu joues les Cyber Dragon Ultime quand même. Ouais, ouais. Vas-y, go, on le défonce. Son mec avec son sous-marin là, il me fait pitié quoi. Je crois que t'as pas invoqué. T'as invoqué lui là. Ok, ok, ok. Ah oui, c'est vrai. Tu veux mener le deal? Celui-là, il a perdu, il est nul lui. Cyrus, mec, c'est le pire mec de l'anime, celui qui sert à rien, il perd tous les duels. C'est un bolos, c'est un bolos. C'est le pote du héros, quoi. Hein? C'est le pote du héros. Ah quoi. Oui, non, c'est un mec. Oui, c'est le pote du héros, mais
C'est le pote nul en fait. Oui, comme tout le temps. Ah, par contre là, il va faire une bonne fusion là. Il va peut-être nous baiser là. Waouh, il fusionne deux camions pour invoquer une bicyclette. Et normal, un tandem, que dis-je. Quoi son effet? Bah, il va attaquer directement. Il m'a tué. Il m'a baisé, mec. Comment on l'a sous-estimé, mon gars? Mais c'est en fait, ses cartes attaquent directement, mais sinon son deck est nul, en fait. Comment on l'a sous-estimé, mec? Ah ouais? Vas-y, je vais prendre ma revanche sur lui. Mec, s'il te plaît, il a doublé l'attaque de sa bicyclette. Non. Ça pue la merde. Il nous a enculé, mon gars. Mais ça pue la merde, son deck qui me saoule. Il m'a gavé. Ah bah le tandem. Comment on l'a sous-estimé? On dit, oh, il pue la merde et tout, ça sert à rien. Et là, le dragon chasseur, si tu le invoques avec l'autre dragon, là. Moi, je dis, invoque le dragon chasseur. T'as le dragon chasseur. Non, c'est ça. T'as le dragon, non? Que tu veux invoquer. Tout à droite. La carte normale. Et ensuite, tu invoques avec la carte de gauche. Non, la carte... juste à la gauche de la carte... ah. Celle-ci. Oh putain, on est tellement deg, mec. Mais attends, c'est... alors là, je m'y attendais tellement. C'est quoi la différence entre celle-là et celle qu'on avait avant? De quoi? C'est pas la même? C'est pas la même? Oui, mais celle-là, elle est mieux encore. Tu vois, celle qu'on avait mis et qui pouvait équiper des dragons. Elle ressemble à celle-là, c'est à peu près la même chose. Ah, c'est pas celle-là? Non. Moi, je pensais. Non, c'est pas celle-là. Ah, quelle merde! Ah bah du coup, t'aurais peut-être pas dû faire ça. Bah si, mais c'est pareil, enfin, elle fait même pas le... Tu vois, il va t'invoquer Welmer, là, c'est pas quoi. Hein. Oh. Mais c'est quoi, cette merde? Un train. Un train. Oh, on est pas très bien. Et c'est quoi la carte magique, là? Putain. Alors, Roy... un dragon cyberné... ah oui, en gros, c'est pour invoquer... celle-là? Non, dommage. Non, ça, ok, celle-là, non? Celle-là, je pense. Ouais. Alors... spécialement, sélectionnez un monstre de type dragon dans votre cimetière, équipez-le, cette carte. Cette carte gagne 1000 dates, gagne une attaque égale à l'attaque... En gros, c'est la même chose que l'autre, mais un peu mieux, quoi. Ok. Mais le problème, c'est que là, il y a un cylindre magique, je suppose. Bicyclette supérieure à deux camions. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on a appris, en tout cas. Mais elle a 1800 d'attaque, Steam Druid. Et que l'attaque, il gagne 500. C'est pas dégueu. Hein. Bah, du coup, on fait ça. Hein. Mais on va se faire cylindre magique, et ça me gavait encore. Donc, on va se faire cylindre magique. 100%. Au pire, attaque directement les points de vie. Mais pas avec celle-là, on peut pas. Ok. Et voilà. Pas, mec, c'est que 2500. Ouais, mec, il nous met trop cher. Ouais. Oh, petite provision. Ça, il gagne 500. Ça, on s'en fout. 1000, ok, my bad. Mec, son but, c'est d'attaquer directement, il va nous baiser. Oui, il prend de vitesse, en fait. Non, c'est juste qu'avec cylindre magique, il nous baisse, parce que nous, on a que des monstres avec méga masse attaque, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là... ah, on a perdu, putain. Mais non, Xari. Le mec infâme. Mais non. Tu penses que lui il a beaucoup de défense? Je sais pas, mais... ah, on a le truc à 2000 là. Ouais, mais c'est pas intéressant, vaut mieux mettre... ouais, ça dépend, mec, hein. Avec ça. Pas mal, ça. Non, non, non. Ça, c'est bien, ça. C'était pas mieux avec l'autre, celle-là? Celle-là? Qui revient... non, l'autre, celle-là. Non, parce que celle-là, mec... tu peux invoquer spécialement un monstre de type de dragon de mon deck, donc choisis celle que je veux, alors que celle-là, c'est obligé de gagner celle-là encore. Oui, mais c'est quand elle est détruite au combat. Et celle-là aussi, mec? Non. Dans ouais. Cette carte, tu es sur le terrain, t'es détruite. Et celle-là, c'est quand elle est détruite ton combat. C'est pas grave, lui, il va la détruire parce que c'est la seule qui peut détruire. Vas-y, on va commencer par elle. On va prendre sûrement des points de dégâts. Pas grave, c'était pour voir ce que c'était. Parce que cette carte. Waouh, un TGV! Prisouille. Détruis-la, cassé. On va détruire l'autre, non? Ouais, allez, monsieur. Pas ça. Ok, bon, il a juste pioché quoi.
On n'est pas bien là. Non, on n'est pas bien. Ce qui va attaquer directement, il va invoquer sa bicyclette là, mon pote. Bah, j'ai peur là, avec son train, ouais. 100% il va invoquer la bicyclette. Et voilà. Voilà. Oh merde. Mais non, là, elle fait 3002 sa bicyclette. Ah non, là, mais. C'est quoi son effet? Regarde, toi, t'es gardé avec. Mais pourquoi elle a 3002 en fait? Ça détecte lien de puissance, mec, je cherche pas. Oui, fais oui. Ah oui. Alors là, il faut qu'on passe au-dessus, mec. Ça va être chaud, hein. Est-ce qu'on peut pas tenter le dragon ultime, tu sais? Ça sert à rien. On peut remettre celle-là. Ouais, je te laisse strater, mon gros. Je sais pas quoi faire là, en fait. En défense? Non, mais bon. Ça sert à rien, parce que de toute façon, il a attaqué avec ses deux cartes. Ah, d'accord, il perd après l'attaque. Attends, c'est non, ça. Non, il a perdu des points de vie. Oui, des points de vie, oui. Mets un dragon basqué en position de défense. Ça? Non. Ça? Ouais, attends. Pour invoquer encore des dragons et avoir toujours du bord, tu sais. Ah oui, mais il va attaquer directement les points de vie. Mec, c'est trop fort, il faut absolument qu'on la bête. On la pète, mais on peut pas. Ah mais il est nul le Cyrus. Mais son deck est nul à chier, c'est juste que mec il a enfin c'est un jeu vidéo, il a forcément les bonnes cartes au moment, mais en vrai ça pue la merde. Fin. Mais ce que je comprends pas c'est pourquoi c'est il a autant d'attaque. C'est le lien de puissance en fait. Mais c'est trop fort hein, le lien de puissance, s'il te plaît quoi. Bah, j'avoue 3200 peut attaquer directement une PV. Sachant que le mec joue des cylindres magiques, c'est fort. Mec, on peut rien faire. Il attaque directement les PV, qu'est-ce que tu crois qu'on fasse? On a perdu. Mets le dragon masqué en position de défense. Ouais. Mets tout en position de défense. On va essayer de temporiser encore un tour. Ouais, mais même avec un tour, on peut rien faire. On a perdu, mec. Pff, ça saoule. Peut-être faire la combo avec sa carte de gauche, là. Oh, le camion, quel bon souvenir, tu vois. Oh, en plus, oh putain, il l'a détruit par l'effet, mon gars. Il l'a même pas détruit. Oh, casse les couilles, quitte. Mec, on peut rien faire. Putain. Ouais, on peut rien faire contre la bicyclette. Mais c'est Cyrus Truesdal, mon gars. Mais c'est de la merde. D'où on peut rien Trudel. Faire Trudel. C'est non, mais... Cyrus Truesdal. Non, mais Cyrus Trudel, il est nul. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un pattern, en fait. Ok, bah je me fais un deck. Non, mais tu peux le battre avec Zodek. Non, mec. On se fait un deck, on le défonce. T'es d'accord ou quoi? Bah on se fait un deck et on met juste Force de Miroir en triple et voilà. Non mais en vrai, c'est juste... C'est... Vas-y, on va essayer de ce que je comprends pas, c'est que dans tous les decks, il devrait avoir 3 forces de... 4 Forces de Miroir. Modifier le deck. Il devrait juste avoir 4 Forces de Miroir et comme ça, bah, t'as gagné tout le temps parce que c'est des bolos les mecs. Ah non. Ou tu fais un cylindre magique, tu sais, et voilà, il prend ses 3200 dans sa bouche aussi, tu sais. Attends, on le back le deck harpie, c'est bon quoi. En fait, le problème, c'est que c'est un pattern, c'est-à-dire que tout le temps, il va piocher tout le temps. Ah ouais, il y a pas mal de cartes qu'on ne possède pas. Ouais, en effet. Bon, ça va être chaud, en fait. Non, mais au pire, prends le deck du mec, et tu rajoutes juste des forces miroirs et des cylindres, et voilà. Mais est-ce qu'on l'a? On les a, les cartes. Non, on les a pas, on est baisés, mec. Ouais, mais c'est un... Attends, on bloque sur Cyrus Triesdal. Mais Triesdal, non, mais c'est juste quoi. Qu'il... Mec, il a trop de chance. Limite-toi, quoi. Force de l'humour, c'est limité. Ah bon, c'est limité à 2, je crois. Mais bon. Merde, je crois que je me suis trompé de duel. Ah non, c'est bon. En fait, le seul problème, c'est que c'est tout le temps le même pattern. C'est-à-dire qu'il a tout le temps les bonnes cartes qu'il faut. Il a tout le temps le cylindre en main. Je le baise, là. Et il a tout le temps... Bah oui, mais... Tu lui fais l'amour. C'est... Le problème de jeu, c'est qu'en gros, il faut juste que t'aies de la chance, en fait. Non, faut avoir l'âme des cartes. Oui, l'âme des cartes. L'âme des cartes, c'est pareil, quoi. Voilà, merci. C'est exactement ce que je voulais. Il est tombé dans mon piège. Voilà, ouais, encore une fois, il a le... Et le cylindre, voilà, bien joué à lui, bolos, putain. Sérieux, on va le baiser. Alors, lorsque cette carte invoque à vocation normale, sélectionnez un monstre de type dragon niveau 3 ou moins depuis votre cimetière et équipez-le à cette carte. Cette carte gagne une attaque égale à celle de la carte équipée. Lorsque cette carte est détruite... Porte.
fort de ouf, hein. C'est fort de ouf ces cartes, hein. En vrai. C'est juste que là, pour l'instant, on n'a pas de monstre d'antipierre, ça sert à rien, donc... Mais tu peux surarrêter gracieuse direct, et voilà. Oh, même dans le cimetière. Vire ça, ouais. Non, ça, je le garde, mec. De ouf. Bah, vire ça, alors. Cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez le monstre qui l'a détruit. Vire ça. Et... Et vire ça aussi. On s'en fout, on aura assez de dragons, t'inquiète. Dragon ou Arsta. Et voilà, et t'invoques celui-là. Tu t'équipes... De toute façon, là, tu vas te faire cylindrer magique, hein. Je te le dis juste comme ça, mais... Celui qui a le plus d'attaque, quoi. Et attention, cylindre magique Je m'en fous, si c'est un magique sur 1900, mais que je m'en tape, quoi. Victoire, quoi. Putain de camion de merde, là. Fermez les JPP. Hein? Ah oui! Abandonne. Non, non, j'abandonne pas. Mec, on a déjà perdu à cause de Steam Droid là. L'âme des cartes, Xai. L'âme des cartes! Je vais couper les veines. Alors, activable uniquement lorsqu'un effet qui inflige des dommages est activé. Annuler son activation. Faire une Monster Reborn après. Ouais, bah on a un peu Monster Reborn. Ça pue la mort. Ah, non, je sais à quoi ça sert, mec. Ouais. Ça sert à ça. Sélectionnez un monstre de type dragon dans votre cimetière et équipez-le à cette carte. Donc tu prends le monstre fusion 5000. Cette garde gagne 100 points d'attaque pour chaque carte monstre dans votre cimetière. Elle peut avoir 6000. Apparemment. On va l'aider. Il faut absolument invoquer lui. Attends. Il faut que tu mettes la queue dans la corne. La queue dans la corne. Non, est-ce que. Attends, regarde les monstres qu'il te faut. Il te faut queue, corne et quoi? Attends, corne. Non, mais... Attends. On va regarder. Queue, corne. Comment on l'invoque ça? Il te faut queue, corne. Alors. Queue, corne et tranchant. On les a tous, on les a tous. On a que qui est dans le cimetière déjà. Il faut une fusion. Oui, et après, activable uniquement lorsqu'un effet qui inflige des dommages est activé. Annuler son activation, donc en gros un cylindre, je pense, et envoyer un monstre fusion au hasard. Ça va, c'est pas random de ouf, quoi. Putain, les pires. Oui, mais c'est pas grave. Quel que soit le monstre fusion, ça sera ouf, quoi. Mec, il faut qu'on fasse un truc, là. Behemoth à deux têtes. Ok, on peut activer qu'une fois par duel, mais nique-toi un peu, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais chaîner le dragon masqué, en fait. Ah ouais, mais il va le prendre avec sa carte camion, je sais pas quoi, là. Ok, il l'a détruit par l'effet. Ah non. On va gagner du temps. Ça chouette ça. Alors, est-ce qu'il y a... Encore. Ouais, mais attends. Encore le même? Ouais. Quel est l'intérêt? On gagne du temps. Attends, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Ça, c'est nul. Tu peux lire à gauche hein, plutôt que de zoomer. Oui, mais... Défausser une carte de votre main. Waouh, peut attaquer deux fois durant la battle phase. Incroyable, non? C'est terrible. Ah, on peut pas aller chercher... Mais on les a déjà, les deux, les trois trucs. Hein. Les trois trucs? On a corne, queue et... Oui, mais là, tu es dans le cimetière. Non, on l'a encore. Les monstres tout à droite. C'est la queue. On a corne, queue et... On a les trois, t'es sûr? Et tranchant, bah regarde. Sûr regarde, okay. On a pas tranchant, là. Là, regarde, en dessous. Queue, tranchant et corne, ok. Ouais, donc il nous manque la carte magique, là. Ouais. On gagne du temps, mais l'autre. Okay. On va donc gagner du temps.
On va donc gagner du temps. Salut Angie. Salut Yormoon, salut, salut. Y a Angie qui arrive et tout le monde dit salut alors que personne n'avait parlé depuis 5 minutes, tu sais. Ah, 3002, sa carte de merde. JPP de lui. On a des fusions, mais on n'a pas fusion. Non, mais ça sert à rien. Ne lis pas cette carte, elle sert à rien pour l'instant. Oh, ça sert à rien cette carte. Eh oh, bonhomme. Bonhomme, ça sert à rien cette carte. Bonhomme, quoi? Eh bonhomme. Bonhomme. Je suis là, putain. Eh bonhomme. Eh bonhomme. Eh bonhomme. Il va invoquer la bicyclette. On va se faire démonter de ouf. On a perdu. Pas la bicyclette. Invoque celui qui ramène quelque chose. Invoque lui. Oui, mais on peut activer son effet qu'une fois par tour. On s'en fout. On s'en fout. Ah, ben on fait ça, mec. Oui. Ben, on est des cons. On est des gros cons. Elle éteint plus. Ouais, mais bon, il a quand même une carte à 4000, quoi. On s'en fout. On va le baisser. On va avoir une carte à 6000, il va nous faire cylindre en machine. Alors. On a perdu. Ah non. Mais pourquoi son camion à 4000, je comprends pas. Ce qui prend à chaque fois une de nos cartes, là. La charité gracieuse. Allez, il nous faut. Ah, c'est bon, on a la carte. Oui, alors, on est d'accord. Sauf que on n'a toujours pas activé l'effet de notre carte piège. Le cylindre. Quoi? Ah oui, non. En fait, on est bien. Il faut que t'attaques. Et y a pas un petit monstre? Il faudrait que tu le mettes en position d'attaque, que t'attaques un monstre et qu'il fasse cylindre dessus. Attends. Mais ça va jamais arriver, mais. Alors. On est dans le deck. Tu vas te terrain main au cimetière, ok? Ah ok, spécialement bon. Le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on active cylindre magique. Donc attaque avec ta carte qui est sur le terrain là. Et tente d'activer cylindre magique, quoi. Jamais. Bah. C'est quoi ce bait? Mais on est obligé, mec. C'est quoi ce bait? On est obligé. Ah non, 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 attends. On peut faire autre chose. Quoi? Regarde. Ah on oui, peut, mec. On peut faire celle-là. Regarde. Elle va être détruite ton combat. Non, non, on va faire ça. Fais-moi active confiance. L'effet. Oui, je vois ce que tu veux faire direct. On active. J'aime beaucoup ce que tu produis. Donc on prend le truc qui a le plus d'attaque, donc celui-là. Donc comme ça, il va être obligé d'activer cylindre magique parce qu'il va se sentir en faiblesse. J'aime beaucoup ce que tu produis. Et là, on va faire celle-là. Battle phase. On est obligé de faire battle phase. Là, on va attaquer du coup 2500. On va attaquer elle. Oui. On va se prendre cylindre. Là, on active notre effet. Si ça marche. Oui. 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 Et là, on espère avoir le 5000. Allez. Allez, le 5000. Non, je crois pas que c'est le bon. Pas non, vu. Non, c'est le 1000. Non, si. C'est le 1000. Oui. Je te nique, Gixaric, c'est le 1000. Ah non, ça va, c'est un 4000. Genre, ça va. Ça va, et ça là va. Et là. Et là. Main phase 2. Et en plus, on l'a baisé, son monstre et tout, parce qu'on a annulé tout l'effet de sa carte. Vrai. Main phase 2, et là, mon pote. Boum. Ouais, donc... prends les 3. Gixaric, on va le faire, Gixaric. Et là, mon pote. Alors là, Gixaric, on va le faire. Là, il avait une vieille bicyclette, mon pote. Eh bah ta vieille bicyclette, tu vas voir ce qu'on va lui mettre. Lequel est trop vénère. Mec, boum. Voilà. Et là mon pote, vas-y, bah position d'attaque mon pote, je crois. Ok, et va chercher le 4000. Et là mon petit pote, tu te crois fort mais... tu te crois fort mais tu vas te croire un peu... C'est qu'un pull la merde. Mais on a straté le pull, mais prends 1700, on a straté. Mais on a perdu mec, 1700, regarde. Oui, il fait oui. Il fait une chaîne de quoi? Non. Bah, on peut attends, faire... des fusions. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien, on est d'accord. Attends. Ah oui. Non, parce qu'à la, à la limite, j'aurais dit, on aurait peut-être pu invoquer le 5000, justement. Tu sais, parce que t'as un monstre de chaque attribut, mais hein? C'est trop. Enfin, on n'a pas de polymérisation, en fait. C'est pas un fait, non. T'en mais c'est aller. De la merde, mec. C'est... On peut faire des fusions et défusionner. Parce que là, il a 1700 plus 1700, 3400. Il se fait baiser par le camion. Oui, mais il gagne pas 100 à chaque je sais pas quoi. Oui, mais bah, c'est ce qu'il vient de faire là, 1700. Il n'y a que 7 monstres dans le terrain. Dans le cimetière. Mais il gagne pas l'attaque. De 1 monstre, donc 1700 plus 1700 égale 3400. Donc c'est de la merde. On pourra quand même pas invoquer l'autre en fait. Fais non.
Enfin... On a perdu, mec. Le seul moyen, c'est de... On a perdu. Le... C'est carré. Attends, regarde à combien ? 3003. Bah, fais une défusion, alors. Mais ça sert à rien de défusionner. Si tu veux, on peut défusionner, mais... Ah ! Hop ! Voilà, bien joué à nous. C'est tout ? Ah ouais, bah oui. C'est ce que je t'ai dit. En fait, la défusion, ça marche que si t'as fusionné et que tes cartes sont dans le cimetière. Mais non, mais là, on a perdu. Il y a la bicyclette, là. Mais je comprends pas, mais... Et son effet est trop fort au camion, là. Mais oui, il dit que sa mère, quoi, au camion. Le camion. Le camion, en vrai, il est trop fort. Cette carte est trop forte. Tu te rends compte, on a straté pendant une heure. Mais mec, pour rien, quoi. Pourquoi ça marche pas? C'est pas marqué sur la carte que ça marche pas, en fait. Ça tombe, la carte qu'on a mis au cimetière, c'est pas un dragon, c'est un mecha, en fait. Machine. Putain. Ça prend que les dragons, ce machin. Et ça te fait rire, Amaury. Et ça te fait rire, toi. Pour rien. Mais non. Attends, mais... Mais c'était une machine. Si ça avait été l'autre, là... Mais pourquoi elle a mis les autres qui servent à rien? Mais oui, c'est parce que... Mais c'est un putain de bouffon, c'est un mécouille. On avait l'autre, on avait gagné de ouf, mec. Ça, c'est avait gagné de ouf. C'est une machine, c'est pas un dragon. En gros, on avait une chance sur trois. On avait une chance sur trois d'invoquer. Tu peux destroy le camion. Attends, regarde l'effet du camion. Si, attends, on a un effet, on a même pas lu, on peut le niquer, tu sais. Comment? C'est pas un bon misplay, c'est juste qu'on avait pas lu, en fait. Mal lu. Bon, bah, du coup, on peut faire peut-être ça. Attaquer. Et genre attaquer ici, je pense. On va peut-être détruire son camion. Bah, pourquoi on a pas détruit? Attends. On comprend vraiment pas pourquoi on a pas détruit son camion. Hein. Oh, on l'a baisé! Mais on a perdu! Baisé, mais on a plus de cartes! Attends, on peut revenir! We can come blé! We can come blé! On avait oublié cette carte qui ne prend pas de dégâts de combat! J'ai fait ça pour troll, je pensais qu'on allait mourir! Et en fait, on peut gagner, we can do it! Oh my god! On est des mécouilles! On est con! Et la bicyclette de feu! Ah oui, mais maintenant il a. Non, il sauve-troïde, c'est sauve-troïde, c'est bon. Mais attends. Bah, on a perdu, mais. On a quand même perdu, mec. Oh merde! On a tellement fait les cons! Attends, on n'a pas perdu en vrai. Mais si, on a perdu de ouf, mec. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah! Non, on n'a pas perdu, mec, regarde. Hop. Ah, et ça dépend de sa dernière carte piège, mais je pense que c'est un truc qui fait piocher. Et là, regarde. Attends, regarde ce que tu peux on prendre. On met lui. Hop. Et du coup, là, on a encore le meilleur monstre sur le terrain. Pour l'instant. On les baise. Bon, est-ce qu'on détruirait pas lui plutôt parce qu'il a, il attaque directement? Ok, on n'est pas mort. Non, oh, juste... ben là, tu sais ce que c'est. Tu sais ce qui va arriver, là. La bicyclette. Tu sais ce qui va arriver. C'est la bicyclette. Non, pas la bicyclette. Pas le tandem. Regarde, Yugi, ne laisse pas les cartes, ouais, j'avoue, mais... Là, c'est pas qu'on n'a pas lu, c'est qu'on savait, mais on a oublié, en fait. On a un peu con. Ah, putain, il attaque direct. Donc, ça va, c'est 800. Pour l'instant, tant ça qu'il va. Tant qu'il invoque pas la bicyclette, on est bien. Ah. C'est chiant. Ah, ça sent Cylindros. Cylindros, ça, c'est fort de fruits. On est pas bien. Après, si on récupère la carte magie, mec, on peut réinvoquer le truc cybernétique. Hein. Parce que c'est dans le cimetière aussi, ça marche. Putain, Xari, on sait pas jouer en fait. Putain, Xari, on a fait croire tout le monde savait jouer. Non, mais on a juste oublié, loin. Mec, il y a trop de cartes à lire en vrai. On connaît pas les cartes assez bien. Bah, je casse les couilles de lire. Non, c'est encore sur Charles. C'est bon, il te met 800. Ouais, s'il te plaît. Ah, non, c'est nous qui nous mettons 800. Mais stop, oh Eric. C'est bon. Tant qu'il invoque pas la bicyclette, ça va. Mais il va invoquer. Bon, c'est pas grave. C'est quand même ça. C'est déjà pas mal. T'en fous, de toute façon, de son monstre, il fera rien. Là. Il va invoquer la bicyclette, 100%. Mec, il a toutes les cartes en main. Mec, il a 8 cartes. Ouais, c'est la bicyclette. Ah non. Il met que 3002 avec la bicyclette. Hein. Ouais, non, mais là, on va le défoncer. On va peut-être gagner, mec. Il met une carte piège. Il faut absolument que je détruise ça parce que sinon, le camion. Oh putain, le cylindre rose. Non, là, c'est pas le cylindre rose. C'est pas... Oh, le cylindre rose. Oh, vas-y. Activation. Vas-y, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, t'en as deux du terrain, vas-y. Tant pis. Ça sert à rien.
On a dû l'invoquer après. Je pensais qu'en fait... Pardon, il y a un petit Syladros qui nous attend. C'est pas grave. On aurait dû l'invoquer après. Mais c'est pas grave. Si on a, si y a un Syladros, de toute façon, on avait perdu. S'il n'y a pas de Syladros, on a fait un move. On a fait un move au moins classe, quoi. Là, il a déjà 2100 et plus 1700. Putain, t'imagines, on avait le 5000-5000 dans notre cimetière. Oh, le one shot. Mais on est d'accord, c'était donc ça la combo. Mais pourquoi il a mis les autres mécas de merde? Il sert à rien, quoi. Mais il est con. Non, mais mec, c'est un Syladros. Non, c'est pas un Syladros, 100%. Mais il faut détruire celle-là. Oh la PLS. Fils de moi. Ah, il est facile, hein, Cyrus. Ah, Cyrus Ruizdal, il est ici, ça a mes couilles. Non, mais à vrai, c'est le pote du héros, ferme-la. Putain, mais le dragon, en fait, le petit dragon de merde peut tuer le camion, en fait, depuis le début. Mais oui, et depuis le début, on n'a pas remarqué. On est vraiment des bolos, hein. On est vraiment des bolos, en tout cas, on s'est bien amusé. J'espère que forcément ce stream vous a plu. Si c'est le cas, passez sur nos réseaux sociaux dans quelques instants, juste après une courte page de publicité. On va se retrouver pour l'Eclipsia Challenge en compagnie de The Quave, le numéro 1 estimé par tout Eclipsia. Et là, ça va être marrant, hein, de voir à quel point Kassor va avoir les boules, va stresser pour son record. Alors, Quave va-t-il réussir à battre le record de Kassor qui est de 16 minutes 23 pour les 4 niveaux de l'Eclipse Challenge? La réponse, juste après la pub, on se retrouve tout de suite.